Madame Hill, au lieu de frapper plus tôt certaines régions en France comme en mars dernier, la deuxième vague tend à toucher tous les territoires de l'Hexagone. Elle n'hésite donc plus à dire que la situation est effectivement critique. Les arrivées en réanimation, en bleu, c'est la moyenne sur 7 jours. On était là, presque, on est presque revenu au moment du confinement. Il y a moins de marge de manœuvre et donc la situation va être catastrophique dans 15 jours. La saturation dans les salles de réanimation inquiète surtout Madame Hill. Selon elle, si le nombre de lits pourrait s'accroître en peu de temps, ce n'est pas le même cas avec les soignants. En mars et avril dernier, les patients pouvaient être transférés par les trains médicalisés d'une région à l'autre, alors qu'un tel rééquilibre est désormais difficile à trouver dû à la montée en pression partout en France. C'est pourquoi Madame Hill justifie la décision des autorités pour endiguer les contaminations de manière à protéger les hôpitaux. Je pense qu'il faut confiner massivement et tester massivement. On va isoler les porteurs rapidement. Ça va calmer l'air. Et ensuite, il faudra continuer et recommencer à retester massivement, comme on l'a fait à Pékin quand il y a eu une résurgence de l'épidémie. Et on peut voir ce qui se passe. Et on peut voir qu'en Chine, on a contrôlé l'épidémie. Mais Madame Hill martèle que la France ne peut plus se contenter de plus d'un million de tests par semaine. Il faut diversifier les méthodes pour augmenter l'efficacité du dépistage. À part les tests PCR, les tests antigènes, groupe testing et auto-prélèvement devraient aussi être encouragés. Ainsi, le dépistage couvrant la moitié de la population française en une semaine ne serait pas imaginaire. Madame Hill défend donc les tests pour tous, en s'opposant à un coût beaucoup plus élevé sur l'économie et la santé publique infligé par les demi-mesures telles que le couvre-feu. Il est aussi à noter que tester moins pourrait rendre le contact tracing inutile. On trouve l'information que sur 4 cas qu'on trouve, il y en a un seul qui est un contact d'un cas connu. Donc ça, c'est le fiasco de ce contact tracing, évidemment. Donc on ne comprend rien à la circulation du virus. Donc je pense qu'en ce moment, on trouve à peu près un cas sur 4.